Bonjour. I am sorry, I will speak in French this time. Okay, thank you. Bon, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs pour m'avoir donné cette opportunité de parler de la rage et des actions de lutte contre la rage dans mon pays, y compris les actions menées dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la rage. Donc, pour commencer, bon, c'est une longue histoire de la rage au Maroc et de la lutte contre la rage au Maroc. Donc, la vaccination chez l'homme avait commencé il y a à peu près un siècle, donc depuis 1911. Et au niveau de l'Institut Pasteur de Tanger, au nord du Maroc, et la vaccination contre les chiens avait commencé en 1925. Donc, un programme de contrôle a été institutionnalisé depuis 1986, et donc mené par les trois intervenants principaux, qui sont le ministère de la Santé, de l'Agriculture et de l'Intérieur, et une unité de fabrication du vaccin contre la rage existe depuis les années 90, 1990, et des outils, instruments et des guides ont été élaborés. La célébration de la Journée mondiale de la rage a commencé depuis son instauration en 2007. Donc, beaucoup d'activités, beaucoup d'efforts qui sont déployés dans le cadre de la lutte contre la rage, mais malheureusement, ces efforts n'ont pas permis d'atteindre les objectifs escomptés. Et donc, la maladie persiste toujours chez l'homme comme chez l'animal. Et donc, on va voir qu'on enregistre chaque année un certain nombre de cas. Le grand problème, c'est un programme de vaccination des chiens. On n'arrive jamais à atteindre l'objectif de vacciner 70% des chiens. On n'arrive même pas à peine à 25% de vaccination des chiens. Les autres mesures de contrôle sont certes menées, comme la vaccination post-exposition, la sensibilisation, etc., mais ils ne sont pas à leur optimum. Donc, deux questions principales se posent. Comment arriver contre cette élimination de la rage, une réalité dans le pays, et comment bénéficier justement, saisir cette opportunité de la célébration de la rage pour, disons, renforcer les actions et beaucoup plus pour mettre en place et mettre en œuvre un plan national d'élimination de la rage. Donc la rage, comme je l'ai dit, il est toujours là avec une moyenne de 20 cas par an depuis 2000 hein, de rage humaine et à peu près 300 cas de rage animale selon le dernier bulletin d'épidémiologie de santé publique du ministère de la Santé. Dans son dernier volume de cette année, enfin de l'année 2020, à peu près 90% des cas de rage sont dus à des morsures de chiens. Donc, une des questions qui a été posée lors d'un webinaire organisé par Merakon en février 2021, donc, est-ce que l'élimination de la rage peut-être une réalité dans un certain nombre de pays, surtout que la problématique de vaccination de chiens se pose avec acuité, surtout dans nos pays en développement, nos pays africains. Donc là, la courbe le montre, la vaccination contre le chien au Maroc, et donc il regresse au lieu de, enfin il est en diminution au lieu de progresser. Et donc en diminution, c'était l'année de référence, c'est l'année 2005 où on avait
vacciné à peu près 450 000 chiens. On avait depuis fixé un objectif de vacciner 1 million de chiens par an, mais comme vous voyez dans la courbe, donc il y a une diminution importante, qui est laquelle diminution a été aggravée ces deux dernières années par cette pandémie COVID qui a eu un impact sur tous les programmes de santé, y compris le programme national de lutte contre la rage. Pourtant, donc, des actions continues ont été menées lors de la célébration de la journée contre la rage. Donc, depuis 2007, on n'a pas cessé de célébrer chaque année, disons, pas soit au niveau national ou même au niveau local et régional. Nous, en tant que société civile, donc en tant qu'ONG, nous avons organisé deux forums. Donc, le premier forum national a été organisé en 2015, juste après la création de l'Association marocaine de lutte contre la rage. Et le deuxième forum a été organisé en 2017. Les deux forums, justement, ont eu pour thème de renforcer les activités pour aller vers l'élimination de la rage. Plusieurs tables rondes, des séminaires, des workshops, des campagnes de sensibilisation, des activités sur le terrain avec des mini-campagnes de vaccination des chiens, surtout des sensibilisations au niveau des établissements scolaires, des concours pour les enfants, de dessin, etc. Et tout ça a été, disons, mené par un certain nombre d'intervenants, les départements concernés, les sociétés, la société civile, etc. Mais disons que le problème reste posé. Donc, différents thèmes ont été choisis chaque année pour aller de l'avant, pour pousser vers l'élimination de la rage. Mais la rage, elle est toujours là, avec les mêmes problèmes, sinon le problème est beaucoup plus accentué. Donc, des exemples de célébrations, en 2012, la rage tue, comme thème, la rage tue ensemble pour le vaincre. En 2013, la rage tue jusqu'à quand? En 2015-2016, c'était toujours la même chose, et donc toujours des thèmes pour, disons, à la fois sensibiliser, faire du plaidoyer, mener des activités de sensibilisation via différents médias, mais un sérieux problème réside avec cette rage qui reste toujours pénible. Donc, également, lors de la célébration, toujours, il y a eu des recommandations et qu'on a pu, au moins pour certaines recommandations, on a pu, assurer quelques activités dans le cadre de ces recommandations. Dans le cadre de la formation 2018, par exemple, nous avions développé un didacticiel pour la formation à distance du personnel de santé, surtout, mais de tout le monde, donc c'est grand public. En 2019, il y a eu une initiative de l'Institut Pasteur du Maroc qui abrite le laboratoire national de référence, qui a organisé un séminaire, un workshop, un atelier international sur la surveillance et le contrôle de la rage. Il y a eu présence de plusieurs pays, dont l'Algérie, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Maroc, le Niger, le Sénégal et la Tunisie. Et donc, c'est en partenariat avec plusieurs partenaires, l'OMS, la FAO, d'autres partenaires
par des ministères impliqués, y compris, bien sûr, le ministère de l'Intérieur. Bon, le Global Alliance for Rabies Control était également présent, c'est-à-dire qu'il a participé dans la célébration, enfin l'organisation de cet atelier important. En matière de vaccination, nous avons essayé vaccination chez l'homme, nous avons essayé de pousser vers l'augmentation des centres antirabiques. Donc, on est passé déjà de 265 centres antirabiques en 2017 à 687 en 2020. Et l'objectif, c'est d'avoir, disons, faciliter l'accessibilité à la vaccination post-exposition et donc assurer cette vaccination dans tous les centres de santé, comme la vaccination pour les enfants. Donc, réflexion sur des moyens pour développer beaucoup plus la vaccination contre les chiens, qui, je le répète, est une vaccination gratuite. Mais bon, les résultats ne sont pas jusqu'à maintenant palpables. Donc, on reste dans un taux de couverture très, très, très bas par rapport à ce qui est souhaité. Et en matière d'élimination, comme nous n'avons pas encore développé un plan national d'élimination de la rage, on pousse justement à chaque fois, lorsqu'on organise, on célèbre la Journée mondiale de la santé, on pousse vers l'élaboration de ce plan, hein. Et bon, personnellement, j'avais conduit un travail, un projet de fin d'études pour faciliter avec la participation de quelques étudiants au master, pour faciliter justement l'analyse de la situation et avec l'utilisation de l'outil qui est développé dans ce sein, l'outil STAR, pour développer le plan d'élimination. Donc, les partenaires usuels, c'est-à-dire habituels pour les célébrations de la journée mondiale de la race, sont nombreux et dont, bien sûr, les principaux, c'est le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture représenté par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, la direction générale des collectivités locales qui représente le ministère de l'Intérieur, l'Institut agronomique et vétérinaire, l'Institut Pasteur du Maroc, plus ONG, dont l'Association marocaine de la santé publique et pour la santé publique et l'environnement, le SPANA, l'Association marocaine du tout de la rage, l'INVAC, avec la participation des agences des Nations Unies, dont l'OMS, l'OIE et la FAO, Sanofi Pasteur, donc ils participent également en sponsorisant quelques tables rondes, forums, etc. Et là, je voudrais rendre hommage à une personne qui est très active, qui est le directeur général de l'ONSA pour la région Rabat-Salé-Kénitra, Dr Youssef Lahar, vétérinaire, qui est vraiment l'acteur principal dans toutes ces célébrations. Et donc, qui est vraiment le leader, le meneur, et nous sommes autour de lui pour faciliter tout ça et travailler ensemble pour mener des activités dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la rage. Alors, donc, déjà, les trois Alors, forums, 10 secondes, s'il vous plaît. donc 10 secondes, pour cette année 2021, nous comptons célébrer le troisième forum de la rage. Et bien sûr, c'est beaucoup plus pour pousser vers l'élaboration du plan et réellement commencer sérieusement à
disons, mener des actions pour éliminer la rage. Et donc, là, également, on pousse vers l'application des recommandations des agences des Nations Unies, comme les recommandations du dernier meeting organisé en Tunisie par l'OIE, donc pour célébrer dans le cadre entre trois pays, les pays de l'Afrique du Nord, ensemble, célébrer la journée mondiale de la rage. Et donc, je voudrais à la fin saisir cette opportunité pour dire que la société savante n'est pas, bien sûr, absente. Ils sont là, comme le 9e congrès de la SOMIPEV, la Société marocaine d'infectiologie pédiatrique et de la vaccinologie, compte organiser le 3, 4 et 5 décembre son 9e congrès avec une conférence sur l'épidémiologie et la prévention de la rage. Vous avez le lien ici et vous pouvez envoyer des posters ou des communications qui peuvent être, disons, qui peuvent passer dans ce 9e congrès. Merci pour votre attention et ensemble, bien sûr, pour l'élimination de la rage.